Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Dans cette vidéo, nous allons aborder l'exercice 4 du brevet Bondy-Chéry 2017. Voici l'énoncé. Pour ses 32 ans, Tony a acheté un vélo d'appartement afin de pouvoir s'entraîner pendant l'hiver. La fréquence cardiaque, FC, est le nombre de pulsations ou battements de cœur par minute. Question 1. Denis veut estimer sa fréquence cardiaque. En 15 secondes, il a compté 18 pulsations. À quelle fréquence cardiaque exprimée en pulsations par minute cela correspond-il? Question 2. Son vélo est équipé d'un cardiofréquencemètre. Il lui permet d'optimiser son effort en enregistrant dans ce cardiofréquencemètre toutes les pulsations de son cœur. À un moment donné, le cardiofréquencemètre a mesuré un intervalle de 0,8 secondes entre deux pulsations. Calculer la fréquence cardiaque qui sera affichée par le cardiofréquencemètre. Question 3. Après une séance d'entraînement, le cardiofréquencemètre lui a fourni les renseignements suivants. Nombre de pulsations enregistrées, 3640. Fréquence minimale enregistrée, 65 pulsations par minute. Fréquence moyenne, 130 pulsations par minute. Fréquence maximale enregistrée, 182 pulsations par minute. Question 3. Quelle est l'étendue de la fréquence cardiaque enregistrée? Question 3B. Denis n'a pas chronométré la durée de son entraînement. Quelle a été sa durée? Question 4. Denis souhaite connaître sa fréquence cardiaque maximale conseillée, FCMC, afin de ne pas la dépasser et ainsi de ménager son cœur. La fréquence cardiaque maximale conseillée d'un individu dépend de son âge, A, exprimé en années. Elle peut s'obtenir grâce à la formule suivante établie par Armstrong et Reiming. Fréquence cardiaque maximale conseillée est égale à 220 moins âge. On note F de A, la fréquence cardiaque maximale conseillée, en fonction de l'âge A. On a donc F de A est égale à 220 moins A. Question 4A, vérifier que la FCMC de Denis est égale à 188 pulsations par minute. Question 4B. Comparer la FCMC de Denis avec la FCMC d'une personne de 15 ans. Question 5. Après quelques recherches, Denis trouve une autre formule permettant d'obtenir sa FCMC de façon plus précise. Si A désigne l'âge d'un individu, sa FCMC peut être calculée à l'aide de la formule de Jelich. Fréquence cardiaque maximale conseillée est égale à 191,5 moins 0,007 fois âge au carré. On note G de A, la FCMC en fonction de l'âge A. On a donc G de A est égal à 191,5 moins 0,007 fois au carré. Denis utilise un tableur pour comparer les résultats obtenus à l'aide de deux formules. Quelle formule faut-il insérer dans la cellule C2 puis recopier vers le bas pour pouvoir compléter la colonne FCMC G de A Geli? Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre le problème. Alors, première question, problème de proportionnalité. Donc ici, nombre de pulsations, durée. Donc ici, en secondes, bien entendu. Ici, nombre de pulsations, nombre. Donc, fréquence cardiaque en minutes, donc 60. Donc en 15 secondes, on a compté 18 pulsations. Donc pour trouver x, on va te faire 18 fois 60 divisé par 15. Donc ici, 18 fois 4 égale à 72 pulsations par minute. Alors, question 2. Donc, entre deux pulsations, il y a 0,8 secondes. Deux pulsations, il y a 0,8 secondes. Donc, on veut savoir ici quelle est la fréquence cardiaque. Donc, combien a-t-il d'intervalles de ce type-là en une minute, donc 60 divisé par 0,8, on va trouver 75 intervalles. Donc 60 divisé par 0,8 égale à 75 intervalles. Or, sur 75 intervalles donnés comme ceci, il y aura 76 pulsations. Donc 75 plus 1, 76 pulsations. Alors, ici, on va pouvoir vérifier ce résultat pour un intervalle avec 10
donc avec 10 intervalles. Donc ici, donc par exemple, ici je vous ai tracé 10 intervalles. Combien y a-t-il de pulsations? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc il y a nombre d'intervalles plus une pulsation. Compte aussi l'extrémité, bien entendu. Donc la fréquence cardiaque, ça va être 76 pulsations par minute. Alors question 3A, l'étendue des fréquences cardiaques enregistrées, c'est 182 moins 65. Fréquence maximale moins fréquence minimale. Donc 182 moins 65 est égal à 117. 117. Donc l'étendue des fréquences cardiaques est de 117. Alors, quelle est la durée de l'entraînement? On prend les nombres de pulsations enregistrées et on divise par la fréquence moyenne. Et on trouve 28 minutes. Donc la durée de l'entraînement est de 28 minutes. Alors, 4A. Alors, on sait que Denis a 32 ans. Donc, Denis a 32 ans. Donc, A est égal à 32. Donc, ici, on va calculer F de 32. 220 moins 32, ce qui égale bien à 188. Donc, la fréquence cardiaque maximale conseillée est de 188 pulsations par minute. Alors, ici, la fréquence cardiaque maximale conseillée d'une personne de 15 ans, bien, F de 15 est égal à 220 moins 15, donc ce qui est égal à 205. Donc la fréquence, donc F de 32, est inférieure à F de 15. Donc la fréquence cardiaque maximale conseillée de Denis est inférieure à une fréquence cardiaque maximale conseillée d'une personne de 15 ans. Alors ici, quelle est la formule à mettre à C2 en C2 pour avoir les formules FC, MC, G2A, GLI? On peut écrire égal, ça c'est la question 5, égal, donc ici, donc on fait 191,5 moins 0,007, sachant que l'âge au carré, ben, c'est A fois A, donc c'est fois A2, fois A2, fois A2. Ou encore, on peut utiliser la notation puissance 0,007 fois A2 chapeau 2. Voilà la formule à entrer dans la cellule C2, puis recopier vers le bas pour pouvoir obtenir la colonne FCMC G2A GLI. Bien, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous êtes tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CVMath. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.